Voilà, arrivé au coude, en amont de ce bras, de ce coude du Rhône, après Étournelles. Traversant pendant trois quarts d'heure un bois très serré. On voit le pollen, des saules qui sont comme de la neige dans l'air. Ce 29 mai 2021. Voilà, on vient de là, dans une forêt de bois, de buissons, de fougères, de lierre, de bois mousseux. Depuis la voie de chemin de fer, on a laissé notre voiture. Et on a atterri ici. Petite promenade pour vous montrer la situation. On a aperçu une biche. Robert a aperçu une biche l'arrière depuis les roseaux avant qu'on arrive ici. Juste l'arrière, lorsqu'on marchait et qu'on parlait un petit peu, elle s'est enfuie. On n'a pas vu une autre fois. Ici, il y a des biches, des cerfs. On espère un jour en voir une entière ici. Un entier, un cerf. Ah, vive le pollen! Vive le pollen! Là, c'est le fort Lécluse en face. À gauche, le mont Sion et à droite, la fin du Jura. Donc, voilà, et le fort Lécluse, qu'on appelle fort Lécluse, il est caché derrière le passage. Entre à gauche le mont Sion et à droite la fin du Jura.